Gon ti proverbe créole, grand moun yo toujours aimé utiliser. La fumée pas jamais levé sans di feu. Et hier soir nous tout wel, nous tout constater. Son seul bagay qu'a fait actualité, c'est deux questions moun a posé. Est-ce que l'aller? Est-ce que Premier ministre Ariel Henry démissionné? Non, Ariel pas allé, Ariel la pirède. Deuxième question, est-ce que le bras est vrai? C'est réponse ça me porter pour aujourd'hui en émission et puis on va prendre tout détail. Hier soir, Ariel Henry a organisé un conseil des ministres tête chargée. Et dans le conseil des ministres, gon grand objectif nèg yo te visé. On va joindre tout détail, l'ouvrir oreille, l'ouvrir jour pour comprendre ce qui a passé en dedans pays, ce qui a passé dans le pouvoir Ariel Henry dans le moment ça. Trois gros bras dans le pays États-Unis mandé président américain Joe Biden pour la guerre Ariel Henry. Et yo bay toute raison yo, m'bral bon détail ou pral joindre bon genre argument. 15 mois après assassinat président Jovenel Moïse, qui côté enquête là, qui ça qui a réglé, qui côté la justice? Qui ça qui réglé en Haïti avec dossier? Qui ça qui réglé aux États-Unis avec dossier assassinat Jovenel Moïse? C'est tout point ça nous bral regarder ensemble dans émission mon éditorial avec Yannick pour aujourd'hui. Bonjour bonsoir tout le monde, bienvenue Chita. Ranger corps, nous bral parler pays, nous bral déshabiller, nous bral démasquer Charloskayo puisque dans moment là pas gen grien dans moment là pas gen bien caché l'ombrite, dans moment là pas gen jouet tête, pas gen jouet ti moun, nous pas faire corvée encore, nous pas vle continuer faire corvée puisque là tout ça nous est passé en Haïti, c'est deux groupes moun qui d'elle. Nous avons un groupe dans le secteur privé en Haïti qui a financé politiciens et politiciens a financé gang. Nous avons un groupe international qui a pris décision de concert avec politiciens en Haïti. Entre-temps, politiciens eux-mêmes, ils ont concombré, ils ont financé gang, ils ont financé insécurité en Haïti. Petit peuple a mouri, petit peuple a dépas fini, pays c'est instabilité, c'est crise politique chaque jour. Émission aujourd'hui, son émission claire coup de l'ocoque, son émission qui paraît bien caché l'ombre. M'a dou vérité en janvier. N'a commencé émission pour nous poser question. Côté tout constitutionnaliste yo. Côté constitutionnaliste chevronné pays a te gagné sous Jovenel Moïse qui t'a posé question, qui t'a dou dans moment là constitution pas respectée. Dans moment là, il a violé la loi, il a violé décret. Dans moment là, c'est inconstitutionnalité n'a baigné. Dans moment là, Jovenel Moïse la propriété sous pouvoir législatif. Côté constitutionnaliste ça yo. Côté constitutionnaliste qui te baille tête yo le devoir pour yo veiller sur application constitution. Alors que depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, Haïti a baigné dans inconstitutionnalité. Haïti a baigné dans illégalité. Haïti son savant nié. Haïti tout voum c'est do tout nèg fait ça yo les côté constitutionnaliste yo. Qui ça yo pral di sous mandat Ariel Henry? Qui ça yo pral di sous choix politique Ariel Henry a fait jodi là pour le mettre juge dans cour de cassation? Qui ça yo te dit le Ariel te décidé pour le nommer juge dans tribunal de paix yo ak dans cour d'appel yo? Qui ça yo te dit? Qui réaction yo te gagné? Yo pas dit yon merde. Yo pas réagi. Et entre-temps, c'est constitution qui a violé là. Ariel prend décision yo vaille que vaille, Ariel nomme moun Jean Vle, Ariel révoque moun Jean Pito, m'a dou vérité en ce qui s'allie. On ensemble d'attribution que seul le président de la République gagne ou aujourd'hui Ariel comme premier ministre il exerce attribution ça. Ou pral di nous non moment spécial, ou pral di ça son situation exceptionnelle liée contre travail constitutionnaliste côté yo. Donc c'est le président qui est élu, toute griffe nous prend dehors, toute zèle nous pousse pour nous dire nous c'est nationaliste, n'a fait respecter la constitution, n'a fait respecter la loi, mon cul. Là nous venons comprendre, chaque nègre qui a fait parole à régler, chaque nègre qui a intérêt personnel parole à défendre, il suffit que moun qui sous pouvoir, li pas favorable pour yo, li pas dans camp yo, li pas dans clan yo, son bagay consali en Haïti. Pas aucun nègre là qui a propre prétexte à défendre pays dans moment là pour comprendre vrai c'est pays à défendre. Dossier Ariel Henry. Ariel Henry là, il dépassé yon l'année dans tête pays comme premier ministre. Différence qui est Ariel entre Ariel Henry avec privé, le privé t'a assuré transition sous Martelly. Privé non yon l'année là t'a assuré que li organiser élection. Alors que Ariel Henry la pédale la pédale la pédale là Ou pourquoi j'entendais qui décision, qui initiative pour voir Ariel Henry prend pour gagner une concertation qui fait pour arriver mettons CEP campé. Entre-temps, temps passé, temps coulé et puis Ariel Henry, il continue à consolider pouvoir, il continue à ranger l'école, il continue à valer terrain, il continue à nommer n'importe qui Jean Vaille qui vaille, constitution continue à bafouer, principe continue à bafouer. Ou pas attendre rien, ou pas attendre aucune décision qui prend, ou attendre tout le monde fait silence. J'ai tout le monde pété, j'aurais tout le monde bouché, yo pas ouais, yo pas attendé. Et puis pays en lui-même, son savant, tout le monde a tiré profit, tout le monde a baigné, tout le monde a nagé, tout le monde fait ça revler. Ariel Henry organisé un conseil des ministres hier soir. Dans qui objectif? Qui objectif conseil ministre te gagné pressé convocation faite, rencontre faite, conseil des ministres. Entre-temps là où chauffe dans Pétionville là, tout le monde dans la rue, y a bat ténèbres, y a fait des gars. Oh Ariel allait, Ariel pralé, yo gagné victoire. Est-ce que nous est-ce que nous pouvoir en rumeur gagné? Est-ce que nous pouvoir en fausse information gagné? Est-ce que nous j'en peux pas ici en vle vivre tout l'autre bord? Est-ce que nous volonté peuple haïtien gagner pour mobiliser le ça dans intérêt. Aujourd'hui, le peuple a commencé à comprendre que nèg ça qui sous pouvoir, il pas dans intérêt. Li nan intérêt peuple pour yo manifester pour yo demander départ Ariel Henry. Li nan intérêt 10 départements pays pour yo mobiliser pour yo demander départ Ariel Henry. Parce que jodi nous avons deux branches, nous avons secteur privé qui kembe Ariel Henry, nous avons international qui kembe Ariel Henry. C'est pas tout secteur privé. Je dis en nèg là qui n'a causé gaz. Yo même avec Ariel Henry, c'est l'état citron. Même j'en gagne on frange dans communauté internationale là, on ensemble de ensemble d'ambassadeurs, ensemble de nèg qui influents sous scène internationale là, yo même yo l'état citron avec Ariel Henry, yo pas vle Ariel Henry sous pouvoir. Mais réalité c'est qui s'allie. Ou de tout nèg, tout monde ça yo qui pas d'accord Ariel Henry sous pouvoir. C'est pas l'intérêt peuple là non yo. Yo seulement gen moun pa yo vle remplacer Ariel Henry par lui-même. Et c'est ça qui fait l'extrêmement important pour peuple haïtien l'ouvrir genou. L'ouvrir genou pour nous comprendre que chaque grande décision, nous c'est moun dehors nous qui te le prend, nous qui te prend décision ça pour nous, décision pas d'intérêt, nous décision c'est eux même libre à l'arranger. Décision c'est pour yo le bral favorable, décision c'est pour yo le bral bon. Eh bien qui s'acrive? Mobilisation le plus passé 3 semaines là, peuple haïtien dit yo pas capable encore, yo bouqué, yo fatigué avec Ariel Henry sous pouvoir. Ariel Henry a gouvernement là, yo même yo a joué chaque grenzel 4 yo qui kana avantage, qui kana intérêt yo pour yo permettre à ce que communauté internationale là, ou pas besoin de communauté internationale là, yo seulement besoin États-Unis favorable avec yo même et puis s'entendre à causer Ariel Henry. Nous gagnons même international ça. À un certain moment qui décidait, yo constate des gars en Haïti, yo ouais effectivement, gagne moun kap mouri, gagne moun kap tombe etc. Gagne crise humanitaire en Haïti. Faut gagner une solution qui joigne pressé. Dans l'idée ça, ou est corps groupe, ou est OEA yo dou. Faut gon trêve humanitaire qui fait pour permettre à ce que ni pouvoir ni organisation non gouvernementale ça nous les ONG yo, qui veulent porter support avec moun qui dans nécessité, moun qui n'ont besoin et surtout dans période choléra ça pour regarder comment yo ka aider Haïti. Mais derrière trêve humanitaire ça gon l'autre bagaille qui est extrêmement important. Et c'est l'obra le connaît. Ariel hier soir il a organisé conseil des ministres. Et objectif conseil des ministres ça, les bouts de couloir de la primature fait connaître que Ariel Henry, à gouvernement là, il a préparé là de manière officielle pour demander une intervention militaire. Parce que non moment nous arrivons là, pays est ingérable. Non moment nous arrivons là, PNH n'a pas capoté quoi ça. Pourquoi? Ariel, à gouvernement là, pralement des supports internationaux là pour aider dans le dossier haïtien, dans le cause haïtien. Et derrière question de trêve humanitaire, c'est ça que tu as caché parce que bon, de réalité. La réalité, c'est qui s'allie. Son groupe belligérant, son groupe Negaxam qui constitue G9, qui kembe terminal varure. Et l'autre scandale 10 millions de goudes, scandale 70 millions de goudes, ça qu'a parlé comme quoi pouvoir, t'as négocié avec Monsieur Barbecue, t'as négocié avec Nèg G9 pour payer l'argent, pour faire débloquer terminal varure. Ça qui ça le fait, ça levé indignation population. Que le vérité, que le mensonge, que le vérité, que le rumeur, ça levé indignation, ça soulevé colère peuple. Parce que bay nèg G9 yo, bay bandi l'argent, l'argent ça c'est contre peuple bral tourner. L'argent ça, son corps ou pan peuple, son corps ou mettez dans quoi ici parce que l'argent ça peut pas le faire l'autre bagaille, c'est acheter plus d'armes, acheter plus munitions, c'est renforcer arsenal bandit, c'est renforcer pouvoir bandit, capacité au gain pour attaquer peuple, pour attaquer la police. Et je dis en situation guerrière nous là. La police pas qu'à faire en merde. Policiers ou pas qu'à faire en merde. Policiers ou y avait manifestation. Policiers ou avait bandit. Côté ou qu'à faire de travail ça en même temps. Côté l'armée. Côté l'armée d'Haïti. Jovenel Moïse, il décide de créer en l'armée. On brille en l'armée. M'bra dit nous vérité. Ou souvent nous qu'on a dit. Et même moi, même tout me confile parce que l'histoire, c'est ça l'histoire rapportée. L'autre parler avec un paquet de grands monde, l'autre, c'est ça le rapport autour. Jodi an, nous rentrons dans un contexte que tout le temps a répété Aristide Graze l'armée, Aristide Graze l'armée. Vous connaissez des questions Aristide Graze l'armée, Aristide son marionnette l'ité. États-Unis Graze l'armée d'Haïti. M'bral dou vérité. Soit Aristide, yon rentre avec Aristide, en 94, l'armée écrasée. Yon utilisé Aristide pour craser l'armée. On nous clair sur ça. Derrière l'armée qui crase l'armée d'Haïti, yon vient avec PNH. Ou pral comprendre que, n'importe président qui te monte, qui te vle, retourner avec question l'armée, États-Unis d'Amérique, tap bal, yon tap mettre option sous table devant. Yon tap mettre option, soit le choisi, faire l'armée, il perd du pouvoir, ou bien, li pas faire l'armée, li rete sous pouvoir, li fait mandat, etc. Parce que je dis en réalité, en ce qui s'allie, vérité, en ce qui s'allie, sur fouet. Nous qui tirons pris en l'armée ça, chaque fois, ministère de défense, chaque fois, gagne tentative qui fait pour acheter matériel, pour équiper l'armée à États-Unis, automatiquement, États-Unis interdit. Donc, États-Unis interdit pour Haïti gagner l'armée. Sous qui prétexte? Qui ça a utilisé comme prétexte? Dans le temps, c'est l'armée qui te qu'on a bail coup d'état en Haïti. Ils ont pas voulu gagner l'armée pour empêcher même continuité, pour empêcher tentative coup d'état, pour empêcher président prend coup d'état, l'armée bail président coup d'état. Mais en sérieux, pendant ils ont pas voulu l'armée bail coup d'état, mais gain coup d'état politique cap orchestré dans mi-temps même nèg yo avec ambassade. Avec différents ambassades, comment Jovenel Moïse fait un coup d'état ça jusqu'à ce que vous assassinez. Ça, son coup d'état, Jovenel Moïse, pour que l'on veuille ou non, son coup d'état qui aboutit à l'assassinat Jovenel, c'est ça lié. Et on va le comprendre nos green bagaille. Si, par une autorité qui décide de remettre comme figue pays, en vérité, c'est la caille moun n'a pour l'armée, c'est la caille voisine n'a pour une belle armée, bel uniforme, bon matériel, et puis là, n'a toujours une police nationale, 5, 10 ans, 15 ans après, y a toujours d'où qui est capable pour porter solution pour gérer question guérilla, pour gérer question insécurité, pour gérer question grand banditisme dans le pays. Parce que la police pas qu'à répondre avec question guérilla. C'est l'armée. Dans la constitution, reconnaît nous gagnons deux forces en dedans pays. Nous gagnons la police, nous gagnons l'armée. Qui ça nous fait avec l'armée? Et c'est depuis là pour nous, nous pas grand monde tête. Nous, c'est blanc qui décide, c'est blanc qui choisit qui est-ce qui a mettre, qui est-ce qui a retiré, qui ça n'a pas mangé, qui ça n'a pas mangé. C'est blanc, c'est international, c'est États-Unis qui décide de tout en Haïti. Et pour nous, alors, il a décidé avec pouvoir là. Pour yon réunir en conseil des ministres, pour yon planifier sous nécessité qui gagne, pressé, pour yon demander assistance militaire avec communauté internationale. Alors, comme ça veut dire? Ça veut dire, Ariel, li reconnaître que li impuissant. Li reconnaître PNH impuissant. Li reconnaître dans moment là, c'est seule façon de gagner pour le consolider pouvoir, pour le préserver pouvoir là. C'est seule façon de gagner pour le préserver tant le faire sous pouvoir. Et d'ailleurs, la communauté internationale, là, yon pral l'utiliser. Yon pral l'utiliser, nèg G9 qui dans la rue bloqué terminal va yon. Yon pral l'utiliser là comme yon véritable danger social. Yon pral considérer comme un danger qui mérite pour éradiquer, qui mérite pour freiner, qui pour jouer nos solutions. Donc, Ariel Henry là, li peut ton code nan coule sans le baran ni compte. Honnêtement, c'est ça lié. Parce que ou pas poser question à société civile là, ou pas chita à société civile là, ou pas chita avec différents regroupements, organisations pour demander yo qui ça yo vle, comment yo well, ou pas chita avec tire Sénat, ou pas chita avec au paquet l'autre acteur influent dedans pays pour demander yo qui ça yo vle, comment yo well si ta gon mission étrangère. Jodi an la décider au conseil des ministres sobre à demander à la communauté internationale. Son danger lié parce que comme bon On assistance militaire pas qu'à empêcher population manifester non. On assistance militaire pas qu'à empêcher peuple là prendre la rue dit au grand goût, pas qu'à empêcher peuple là prendre la rue dit Ariel Henry faut qu'il aller faut qu'il démissionne, on va le faire répression pour le douiller petit peuple là. Donc comprenez bien Ariel Henry, c'est comme s'il prend aux armes, il tire dans propre pied, il pas réaliser ça. En tout cas, nous là nous suivons parce que nous obligés à rester de très près dans les couloirs pour nous tendre, pour nous prendre information, pour nous capter chaque information, analyser et donc comprendre ce qui passe dans le pays parce que Ariel pas venu pour la paix. Ariel Henry pas venu pour la paix dans le moment de parler là. Et ce que j'aime dire dans le commencement de l'émission, gagner trois gros bras aux États-Unis qui ont même demandé au président américain Joe Biden pour la guerre Ariel Henry. Faire Ariel Henry Brelwil, faire quitter tête pouvoir, et puis après, on a décidé qui est-ce que mettez. Ça va être lié. Et m'bral vin sous ça après. M'bral vin sous ça. Parce que jodi là, n'a demandé départ Ariel Henry. Ariel Henry pas prêt glon merde, nous pas qu'à continuer avec elle. Mais, changer Ariel Henry, c'est qui est-ce nous pral mettez. Changer Ariel Henry, c'est qui est-ce qui pral assurer continuité. Bon exemple. Ou est-ce que Montana yo là, ka pouve quoi? Ou est-ce que Fidjan? Ou Steven Benoît a prouvé qu'on là sous Jovenel, il te fait plus mal. Sous Jovenel, il te doute depuis Jovenel aller, toute bagaille pour le résoudre. Jovenel mourit, il fait ça, il fait pendant un an, élection Montana fait, il n'a pas jamais qu'à investir de fonction. Kounye ya Montana a tout parle, c'est blanc qui pour prendre décision pour mettre yo. Tendez, on coupe nèg qui pas qu'à attendre yo pour prendre décision dans nos pays. Kounye ya Ariel là, Ariel va capable résultat. Montana ton pour blanc voyer Ariel aller pour voyer Ariel la refaire la classe voyer Ariel la carrière puis pour même pour venir avec yo. Nous pensons pays ça bon. Nous pensons haïtien pral jamais accepter bêtiseur ça dans figure comme ça. M'bral dou. Yo voyer Ariel aller yo venir avec Montana. Un mois, 2 mois, 3 mois, et même bagarre pral gen dans la rue. Vous comprenez pour qui ça? Parce que pas gon nèg là qui gon baguette magique, qui gon solution magique pour résoudre problème pays. Problème pays ça a dépassé ça nous avec yeux. Problème paysan c'est international là avant tout. Problème paysan c'est secteur privé ça avant tout. On groupe nèg dans secteur privé qui a financé politiciens financé gang en dedans pays. C'est ça vérité. Comme vous comprenez, on vit dans un pays ou même qui fait partie de la population, qui a cotisé dans l'ONA, qui a mis l'argent dans l'ONA, et l'argent travail, ou l'argent effort, l'argent souhait, ou pas qu'à prêter. L'État pas créé conditions pour prêter l'argent dans l'ONA. Ou même comme travail, oui, ou pas qu'à prêter l'argent dans l'ONA. Et puis, nèg sa qui dans le secteur privé, il a prêté l'argent dans l'ONA. Non seulement l'État prête l'argent, mais l'État ba garantit tout, il exonéré un paquet de droits. Comment malheureux faire vivre dans le pays? C'est la grande question. Ou malheureux, chaque jour sous on mange un bagage, faut qu'on dise bon Dieu merci avant tout. Hein? Faut qu'on félicite terre tout pour sacrifice ou faire avant tout. Parce que c'est difficile en Haïti. Ou pas gain accès pour joindre l'argent prêté, mais nèg ça qui constitue le secteur privé, qui constitue la mafia économique en Haïti. Moi même pas gain rien avec nèg qui gagne l'argent, toujours dit ça, même des problèmes avec comportement yo, agissement yo. Nous pas ka ke bon l'état nan gorge, nous pas ka ke bon pays nan gorge, nous pas ka ke bon peuple nan misère comme ça volontairement. Pendant que nous avons investi des millions en République dominicaine, c'est comme si nous avons pris Haïtien comme moyen pour faire l'argent, comme moyen pour faire corruption, faire paquet l'argent, faire paquet millions, et puis aller investir de l'autre côté, côté qui respecte les principes, côté qui respecte les règles. Eh bien, Haïti, même nous-mêmes Haïtiens, c'est macaque, nous-mêmes Haïtiens, c'est égaré, nous pas ouais, je nous pété. Moi-même, en vérité, je dis nous ça. Je ne sais pas si je pour la paix. Je ne connais pas prêcher violence, mais il y a des gens qui ne sont pas venus pour la paix, tellement de bagailles sont cool. Je suis obligé de dire bagailles sont cool. Parce que ça fait mal moi-même. Ça fait mal ou sont jeunes ou non payés ou pas gagner aucune opportunité qui ouvre devant vous. Ou pas gagner accès pour faire une merde en Haïti. Et c'est ça que fait hier, moi, c'est hypocrisie. Gros paquet de monde, c'est hypocrisie. Tant que gagner jeune dame qui pilote. Qui a piloté un Boeing sur les États-Unis rentre à Haïti avec elle. M'a regardé un paquet de politiciens, m'a regardé un paquet de nègres dans le secteur privé, un paquet de monde qui bat bravo, yo fier, etc. Première fierté encore pour qui est fier? Li pour Tara avec petite li, avec famille, avec mari, avec tout corps race li. Parce que yo te fait choix, yo te quitté Haïti, Haïti pas de bon pour yo. En 98 yo quitté Haïti, yo allé dans un pays côté qui gagne opportunité. Et c'est opportunité ça. Et c'est opportunité ça jeune femme nan li bénéficier jodi qui ka fait li fier pour le camper pour le dire li son pilote la pilote en Boeing. En Haïti en vérité, li te ka plein rêve, li te ka charger rêve, li te ka wè tout bagay li ta vle vinye Haïti pa ta bali possibilité, pa ta gè opportunité pour li en Haïti. Et on pral wè même nèg ça qui politicien ka fait politique en Haïti a féliciter. En vérité, nèg ça mérité de 3 chapelets, mon cher. Nous vivons dans un pays, nous pas quitter opportunité pour jeunes. Et puis, quand un jeune haïtien qui te paye, li brille l'autre bord de l'eau, li brille dans l'autre pays, li vient avec gros diplôme, il vient avec master, il vient avec doctorat, il fait nul, il bataille, il fait nul, et puis, n'a prend frame. Et puis n'a pris frère n'a vinn et tant qu'on paquet arrive nous yé n'a vinn bat bravo pour lui n'a vinn féliciter nous pas honte n'a regardé hier président Montana qui gèt fait tweet pour féliciter jeune dame nan oh li fier de Tara etc. Haïti fier de lui oh li son pilote etc. Mais qui ça nous fait en Haïti? Qui opportunité nous ba jeune haïtienne nous yo? Jeune garçon jeune femme en Haïti yo, qui opportunité nous ba yo? Nous pas font merde dou yo. Et puis kounya la même nan avant virer nous gèt fier. Bon, rentrer dans le dossier et 3 gros bras, parce que pas date m'annoncer, mais tellement nèg ça énervant, m'obligé di nous 3 vérités en sou yo. Nan moment n'a parlé à la aux États-Unis, gagné 3 officiels. Nous les officiels parce que c'est nèg qui gagne pouvoir yo hein, c'est nèg qui fait non yo monsieur dame ça yo, yo gon non aux États-Unis. Nous gagne actuel président Sénat américain. Hein? Nous gagnons ancien candidat à la présidence Bernard Sanders. Nous gagnons ancienne candidate à la présidence Elizabeth Warren qui mandait Joe Biden pour la guerre. La guerre Ariel Henry by peuple qui était Ariel Henry Bouelwil. Parce que dans le moment là, la situation est tellement compliquée en Haïti. Premier bagage, c'est que Ariel l'y contesté. Et seule façon pour Ariel ta bénéficier légitimité, c'est si te gen yon dialogue, yon entente nationale. C'est si différents secteurs dans vie nationale paysan te accepté que Ariel bénéficie pour voir ça, pour Ariel prendre décision dans nos peuples. Comment États-Unis pral continuer supporter yon premier ministre haïtien qui décrié tout secteur dans vie nationale a demandé démission? Là, c'est position 3 gros bras américains, ma baou la oui. Position actuel président Sénat américain. Position 2 anciens candidats à la présidence. Oui, ma baou la. Parce que Ariel Henry pou yo, Ariel Henry pa gen aucune légitimité. Et effectivement, Ariel pa gen légitimité. Ariel pa constitutionnel. Et ça fait m'dakman de code constitutionnaliste passé. Mais Ariel te ka bénéficier en légitimité. Si toutefois, société civile l'a accepté ou approuvé Ariel Henry, si toutefois, différents partis politiques dans l'opposition ont approuvé Ariel Henry, si toutefois, peuple haïtien te monté à bord, yo te favorable avec Ariel Henry. Mais là, qui constat nous fait? Nous, la société civile là, yo même, yo pas nan Ariel Henry. Mais gon l'autre bagaille, même société civile là, s'il vous plaît, li divise, oui? Même société civile là, li gen branche pal nan Montana, oui, li gen branche pal nan Pen, li gen branche pal nan pouvoir Ariel Henry. Et ça problème pays hein. C'est pas problème, c'est pas intérêt pays à défendre, mais plutôt c'est intérêt des particuliers. C'est intérêt personnel chaque nèg à défendre. Et ça vient créer un torse, ça vient paralyser toute institution en dedans pays. Et ça paralyser la police pire. Et officiellement, pendant m'a parler avec nous, m'a dou dans commencement émission, moi apprendre et bien officiellement note là li publié Ariel Henry mandé communauté internationale là mandé blanc yo pour yo vinn fouler sol là mandé pour yo vinn aider Haïti parce que yo estimé la police pas en mesure pour le combattre gang, pour le combattre bandit. Force la police li 3 fois inférieure avec force de frappe gang. Ça veut dire gang yo frappé 3 fois plus fort que PNH. Bandit yo frappé 3 fois plus fort que PNH. Mais en sérieux, faut que nous honnête avec tête nous. On nous garde ça que fait récemment là dans terminal Varia. Et pas opération. So j'aime dire nous depuis leur Ariel monté à CSPN pour que j'aime organiser en mission officielle pour dire pour l'attaquer bandit. Non ti intervention qui sont fait là dans terminal Varia pour aller prendre contrôle terminal Varia. Nèg G9 yo gen barrette M82 qui perce tank PNH yo. Qui perce blindé yo. Donc, si bandit ka gen barrette M82 ka perce blindé, dites tout bien la police est vulnérable. Dites tout bien PNH pas équipé pour le battre avec bandit. Ça, c'est pas un mythe lié. Ce n'est pas un mythe puisque c'est les États-Unis qui ont décidé qui zame pour nous gagner. C'est les États-Unis qui ont décidé qui équipement pour nous gagner, qui matériel pour nous gagner. Ça fait, les acheter blindé, acheter vieux malpropre, c'est ça nous. N'achetez vieux petit blindé et pas yaya de rien. Ou t'en débarrez M82 à la PC blindé, mais pas tout blindé le PC. C'est pas tout blindé le PC, mais blindé nous rien là, nèg G9 yo PC, yo rive PC là avec un barrette M82. Donc c'est tout normal pour nous connaître que la police est vulnérable. C'est tout normal pour nous au courant que les policiers sont vulnérables, ne pas travailler dans conditions ça. Et pour couronner le tout, au lieu que nèg yo décider d'équiper la médaille d'Haïti, au lieu que on fait plus recrutement, plus jeunes garçons, jeunes femmes qui décident de servir pays, yo fait ça plus facile pour yo, ça plus easy. Et ça on t'a cherché depuis date m'a parlé nous, depuis date m'a dit nous ça. Et pourtant des pays a nationalistes. Et pourtant des pays a nationalistes. Côté nationaliste ça yo. Côté constitutionnaliste ça yo tout qui qu'on a dou force étrangère pas droit et fouler territoire nous, pas droit souiller territoire nous etc. Côté yo, mandez yo aujourd'hui là qui décision réelle prend, mandez yo dans qui impasse pays et mandez yo qui c'est affaire constitution, mandez yo est-ce que une constitution qui existe aujourd'hui en Haïti. Parce que m'abdou, même constitutionnaliste ça yo, même nationaliste ça, le Jovenel te monté en 2017. C'est yon te mandé que t'as chauffé Jovenel, faut que li voye ministre aller, oui. Faut que li voye casque bleu aller parce que yon tap baye choléra, yon tap touye, yon tap ceci, yon tap cela. C'est yon même qui te chaud, qui t'a poussé bourrique là dans derrière Jovenel pour le voye ministre aller. Jodi yon même yon style là en dedans pays. Yon là bien yon mouri, yon là pi red. J'ai yon fermé, bouche yon fermé. Yo gen bagay nan bouche yo, j'ai yo pété yo parole yo pas tande. Jodi an la mer riel. Mais pouvoir riel là ça pitouem là ça pin énervem nan. Ou pral wè Ariel, yon pouvoir de transition, c'est Ariel qui prend ensemble de décision par gon moun qui ka di rien. Par gon moun qui camper avec peuple pour parler pour peuple. Sinon que nous même ka fait travail ça, travail de formation ça. Ou pas des constitutionnalistes cap dou constitution bafoué. Ou pas des constitutionnalistes cap dou casque bleu pas fouler sol pas faire ceci pas faire cela. Mais jodi an là tout le monde favorable parce que yo wè gang prend pays, yo besoin contingent Nations Unies yo vinn péter balle avec barbecue, vinn péter balle avec iso pour route ka fonctionner normalement. Et après là yo fin péter balle, yo fin avec gang ça, yo fin avec iso village, yo fin avec l'homme sans jour, yo fin avec vite l'homme etc. Et après, nos 2-3 ans élections faites, tout bagage bien passé. Et puis après, le conseil pour gagner, gang n'a pas multiplié par 100 de la République parce que moun sa yo kap créer insécurité, kap créer violence dans le pays, yo pas jamais mettre code dans cou yo, yo pas jamais mettre en côté pour machine pas frapper yo, yo pas jamais aller en prison. Jodi an gon groupe politicien, gon groupe nèg qui kembe pays nan gol, c'est mourir pour yo mourir, c'est là pour yo parler encore pour Haïti libéré, pour nous allons souffrir avec nèg sa yo. Parce que vérité c'est qui s'allie. Vérité c'est que nous pas gagné politiciens dirigeants à colonne vertébrale. Tout le monde qui décide de camper tête sur droite, camper ferme pour garder blanc, place yo pas dans pouvoir, place yo pas dans prendre décision. Yo toujours besoin petit choul, petit soufflant, petit soussou qui pour avec yo, qui pour faire travail pour yo, qui pour faire job pour yo. C'est une des raisons de Michel Soukante de Ariel son job bellier. Ariel peut-être pas le même le ta vle démissionner, le pas qu'à démissionner, son job yo va le faire. Et comprendre bien. On tweet qui met Ariel là, son tweet qui te met Ariel là. Kounye ya, si pour Ariel sorti son tweet pour retirer Ariel. C'est pas peuple là, nous pral pousser de Ariel. Même j'ai été nommé Ariel là. Ariel ka révoqué là. Ariel a prévoqué bon m'dou vérité c'est qui ça lié. Soudan de Ariel mettait lettre démission, on va connaître tweet là te geta préparé pour yo faire déjà oui. Parce que moun blanc mettait, moun sa pas possibilité pour le démissionner de par lui-même. Son job yo met au fait. Son job yo met au fait. Jodi an la les pays amis d'Haïti sont prêts à aider Haïti. Aider Haïti ballon assistance militaire, aider Haïti vin aider le combat gang, combat bandit. Nous sûr que République Dominicaine fait partie des pays amis d'Haïti. Kounya, so pensez là si yo ta do en attendant gon force onusienne qui rentre en Haïti, mais pays voisins là yo ta voyé quelques soldats en Haïti. Et pas ta pour honte, et pas ta pour affront taille. En tout cas, c'est ça Abinader a cherché, c'est ça le besoin. C'est ça nèg yo besoin. C'est plus de stabilité pour humilier haïtien, pour yo prendre nous, pour yo montrer nous pas rien, nous pas moun. Yo voulait faire nous connaître nous pas moun, faire nous sentir nous pas moun et nous en pile. nous forts, nous gain maille, nous gain brain. On va écraser l'éducation dans le pays, oui. Parce que vous avez besoin pour qu'il moun nan ignorance pour fort passer comme moun sort comme idiot et pourtant bagay la pas comme ça. Nous ouais courant, nous comprenons courant. Et faut que vérité en prend la rue every day. Chaque jour faut que vérité en prend la rue. Et n'a bataille pour ça. Jodi a fait exactement 15 mois depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Depuis Jovenel Moïse mourit, depuis nèg yo tuel. Qui ça règle côté justice en Haïti États-Unis te couri vinn prend dossier en charge côté justice côté enquête là côté rapport congrès américain te mandé département d'état américain pour te faire côté rapport Tony Blinken te supposé présenter côté rapport ça date ça qui ça cap régler qui est-ce qui te financé côté l'argent te passé côté il te transité qui ça cap régler en Haïti dans dossier Jovenel Moïse yon merde. On n'y est pas réglé parce que le pouvoir s'en est mêlé jusqu'au cou. Pouvoir Ariel Henry en question assassinat, nan zin assassinat Jovenel Moïse. Pas qu'à gagner fait. Qu'on nous a demandé comment pouvoir Ariel c'est exécutif, mais qui ça judiciaire vient faire un exécutif. Mais c'est tout, oui. C'est tout. Nous avons judiciaire là qui ont droit à un tribunal. Droit à un tribunal, ça pas de mauvais moun basel. Pas de mauvais moun basel dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. Nous pensons que c'est bon, mais n'est pas bon monde. N'est pas bon monde. Gon green question voulez nous répondre. Jodi nous tous d'accord sur green bagay, fuck Ariel Henry aller. Fuck Ariel Henry démissionner, fuck Ariel Henry quitter pouvoir, nous pas capable encore. Mais après Ariel Henry qui ça n'a préparé? C'est qui alternative nous après Ariel Henry? Ou même qui quoi alternative? Ou pas besoin d'hésiter, femme qu'on est réel, mes crimes disponibles, disposés pour nous parler. Après Ariel Henry, c'est qui alternative? Est-ce que casque bleu ça va pas venir là, côté jaune ça va pas venir là, y a tout débarqué avec un leader, y a tout débarqué avec un chef, ou bien son tweet n'a pas de nom international là encore, qui pourrait évoquer Ariel Henry et remplacer immédiatement. Ou bien pour une fois, que tes sociétés civiles, il pourra mettre intérêt mesquin de côté. Que tes oppositions politiques, il pourra mettre intérêt mesquin de côté. Pour faire seul avec peuple. Pour qu'on entende, pour qu'on dialogue qui pour dire, mais qui est-ce qui a choisi, mais qui est-ce nous voulons faire ça. Qui ça nous voulons après Ariel Henry? Après Ariel Henry, c'est qui alternative? Qui choix politique? Qui choix pour peuple haïtien? C'est la grande question. Ma petite doit avec question ça. M'espérer m'a joué une réponse qui convaincante. M'pa là pour me juger opinion. Chaque monde libre pour gè propre opinion par yo. Chaque monde libre pour gè propre choix par yo. Et c'est une bagaille qui crase pays. L'or haïtien bat avec haïtien pour opinion, pour choix politique. Choix politique ou c'est choix politique ou. Opinion politique ou c'est opinion politique ou. Mais gon grain vérité. Haïti nan mitan tout bagaille ça. Haïti nan mitan tout débat ça. Eh bien jodi an, nous voulons Ariel Henry aller nous tout d'accord sou fè a. Après Ariel Henry, c'est qui alternative? M'attendrai pour ça. Mes amis, tendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick là, même voix.